chers téléspectateurs, j'ai retenu pour cette émission de rentrée un sujet qui nous montre une fois de plus que l'histoire est un sport de combat, puisqu'il s'agit de la repentance, une repentance bien particulière cette fois, puisque nous allons parler de la conquête de l'Amérique par les Espagnols, d'autant que le président péruvien Pedro Castillo et le président mexicain Andrés Manuel López Obrador, ils sont allés de leur couplet pour mettre en cause justement cette conquête espagnole, exiger de la repentance ou des excuses de l'Espagne. Et de plus, le président péruvien, en présence même lors de son investiture du roi d'Espagne en personne. Alors, les choses sont ce qu'elles sont, nous le savons, dans un certain nombre de pays européens, notamment chez nous, mais dans le cas de l'Espagne, l'affaire est particulièrement sensible. C'est vrai pour ce qui concerne la Reconquista qui a permis la libération de l'Espagne de la domination musulmane, mais c'est tout autant vrai de la conquête des Amériques où, au nom d'un indigénisme tout à fait anachronique, eh bien, on remet en cause ce qui a été l'épopée des conquistadors. Cela dit, les choses n'en restent pas là, car un certain nombre d'historiens dans le domaine hispanique ont relevé la tête et commencent à mettre en cause tout ce genre de discours. C'est notamment vrai d'Elvira Roca Barrea, auteur d'un ouvrage intitulé Imperiophobia, qui fait un malheur en termes de vente, qui a été vendu à des dizaines de milliers d'exemplaires. Et on peut parler aussi de l'historien argentin Marcelo Gullio, qui dans son ouvrage Madre Patria reprend également un argumentaire comparable et montre ce que les nations d'Amérique latine doivent à l'héritage espagnol. Mais il n'empêche qu'une cérémonie organisée au Mexique en l'honneur des Aztèques a été l'occasion, le 13 août dernier, pour le 500e anniversaire de la chute de Tenochtitlan, la future Mexico, la capitale aztèque, a été l'occasion pour le président du Mexique de défendre les vues donc de Marcelo Gullio, qui commence à faire mouche, et toujours à réclamer de l'Espagne la repentance habituelle. Marcelo Gullio a toutefois quelques arguments dans sa cartouchière, puisqu'il nous rappelle que ce sont 300 Espagnols, même pourvus de quelques chevaux et de quelques armes à feu, qui sont venus à bout d'un empire aztèque comptant des millions d'habitants déjà à l'époque, hein, et ils n'ont pu le faire que grâce à leur alliance avec un certain nombre de populations locales qui ont trouver là l'occasion de se libérer du joug des Aztèques. Et ce qui a valu pour le Mexique des Aztèques vaudra aussi pour le Pérou des Incas. Et Marcelo Gullio même enfonce le clou en rappelant ce qu'étaient les traditions aztèques en la matière, c'est-à-dire la razzia régulière d'hommes destinée au sacrifice humain jugé nécessaire pour satisfaire le dieu Huitzilopochtli, sacrifice humain auquel on arrachait le cœur, ce qui évidemment scandalisa les conquistadors espagnols et leur donna une parfaite bonne conscience pour conquérir ce pays jugé parfaitement barbare. C'est une affaire qui est parfaitement reconnue. Dès le 19e siècle, l'historien William Prescott nous expliquait, alors qu'il était plutôt favorable aux civilisations précolombiennes, qu'il exaltait la grandeur de leur réalisation, nous expliquait qu'il fallait compter au moins 20 000 victimes par an, certains autres historiens parlant même de 150 000 victimes. Et ce qu'il faut mettre en lumière également, c'est que les victimes en question, eh bien, elles étaient ensuite mangées, car l'anthropophagie rituelle faisait partie de cette tradition. Et de plus, l'aristocratie gardait les morceaux de choix, les viscères étant abandonnés au peuple. Donc, une civilisation, on le voit, tout à fait barbare au regard de nos critères actuels, et même au regard des critères qui étaient ceux de l'Europe de ce moment.
moment-là. Mais cela permet en tout cas à Marcelo Gouliou de faire valoir que selon lui, l'Espagne n'a pas conquis l'Amérique, mais l'Espagne a libéré l'Amérique de systèmes civilisationnels parfaitement barbares. Alors tout cela, on le sait depuis longtemps, et les faits sont accablants, les preuves aussi, les témoignages, aussi bien textuels qu'archéologiques, mais cela a beau être indiscutable, la bien-pensance habituelle ne veut rien savoir, hein, la haine de soi, l'hostilité à la civilisation européenne, jugée dominatrice, l'emporte par-dessus tout, mais il est indispensable pour ceux qui ne sont pas soumis à de tels diktats de continuer le combat pour rétablir la vérité historique. Alors c'est l'occasion justement, puisque de plus nous commémorons effectivement la chute de Mexico survenue à l'été de 1521, eh bien c'est l'occasion d'évoquer la figure d'Hernán Cortés, le conquérant du Mexique. C'est une histoire que nous connaissons bien grâce à la relation que fit en 1568 Bernal Díaz del Castillo de l'histoire de la conquête du Mexique. Et nous pouvons ainsi suivre pas à pas Cortés dans sa marche vers Tenochtitlan, le nom ancien de Mexico. Et nous connaissons le détail de cet épisode, de ces épisodes fameux. À partir des îles des Antilles où il s'était installé après la découverte réalisée par Colomb, les Espagnols avaient pris contact avec les côtes du continent. Alonso de Ojeda notamment, il avait reconnu l'isthme de Panama, on avait fondé le port de Nombre de Dios sur la mer des Caraïbes et celui de Panama sur la mer du Sud, devenu plus tard l'océan Pacifique, qui avait été découvert par Balboa en 1513. Puis en 1517, Hernández de Córdoba touche aux côtes du Yucatán, il a des contacts hostiles avec les habitants. L'année suivante, Juan de Grijalva, un parent du gouverneur de Cuba, Diego Velázquez, retourne sur place. Il en ramène de l'or qu'il a obtenu en l'échangeant contre des verroteries, ce qui va susciter les espoirs que l'on imagine. Et une autre expédition va être envoyée sur la côte du continent, à la tête de laquelle va se retrouver Hernán Cortés. C'est un extrémeños, originaire d'Extrémadure, de Medellín. Il a 33 ans, il est issu, comme beaucoup de ses semblables de l'époque, de la noblesse pauvre de cette région un peu déshéritée de l'Espagne. Et c'est aventuriers, eh bien, ils vont prendre une part décisive à la conquête, qui va être pour eux l'occasion d'aller en quête de gloire et de fortune. C'est un cousin d'ailleurs, Cortés, de Pizarro, qui sera le conquérant du Pérou. Avec une différence cependant, Cortés, il a fait quelques études de droit à Salamanque, alors que Pizarro était un porcher analphabète, en fait. Hein. Alors, et pour Bernal Díaz, d'ailleurs, l'historien de la conquête, il nous dit que Pizarro était même un charmant causeur, doté d'un naturel paisible et aimable, ce qui peut paraître un petit peu surprenant au regard de l'image que l'on a généralement des conquistadors. Il faut dire que certains, notamment Alvarado, l'un des lieutenants de Cortés, évidemment, apparaissent beaucoup plus rustiques, si l'on peut dire. En tout cas, le 19 février 1519, l'escadre commandé par Cortés quitte Cuba, fait escale sur l'île de Cozumel au large du Yucatán, puis va toucher la côte. Là, elle va retrouver deux Espagnols, Jerónimo de Aguilar et Gonzalo Guerrero, qui avaient été faits prisonniers par les Indiens lors des expéditions précédentes. Ils vont servir d'interprètes, ils vont fournir des renseignements utiles. Un peu plus loin, à la suite d'un bref conflit avec des Indiens, les Espagnols récupèrent des esclaves, une vingtaine d'esclaves, dont une certaine Marina, qui connaît le nahuatl, la langue parlée sur les hauts plateaux centraux du Mexique, et qui va devenir la compagne de Cortés.
Les Espagnols s'installent à San Juan de Ulloa, un port qui avait été reconnu par Grijalva l'année précédente. Et à partir de là, eh bien, ils vont commencer à échanger avec des envoyés de Moctezuma, l'empereur des Aztèques. Mais Cortés doit compter aussi avec la révolte des fidèles du gouverneur de Cuba, Diego Velázquez, qui ne sont guère enthousiastes à l'idée de pousser plus loin l'aventure. Alors il va les racheter avec des dons d'or, et puis il va réussir finalement à s'imposer, et il va de fait entrer en rébellion avec les instructions qu'il avait reçues de se contenter de reconnaître la côte. De plus, Cortés a pris contact avec les Totonacs, qui sont des populations indiennes subjuguées par les Aztèques et qui ne demandent qu'à se débarrasser de cette domination. Il va installer un port à Veracruz, sur la côte Totonac. Et puis, il va au passage, bien sûr, christianiser ses nouveaux amis. On va remplacer les cultes traditionnels par celui de Notre-Dame. Et puis, pour être certain que les partisans de Diego Velázquez ne décident de se retourner contre lui pendant qu'il pénétrera à l'intérieur, Cortés va s'aborder sa flotte, s'obligeant ainsi à vaincre ou mourir, en quelque sorte. Hein. Alors, il va ensuite s'enfoncer dans les terres avec 400 fantassins, 15 cavaliers, 7 canons, 17 arquebuses, 32 arbalétriers, plus des alliés totonacs. Donc une petite expédition, mais avec des moyens quand même limités. Ils vont passer par Tlaxcala, où grâce aux dons d'interprètes d'Aguilar et de Doña Marina, ils vont en savoir davantage sur la situation à l'intérieur. Hein. Ils sont plutôt bien accueillis, car il y a une légende indigène qui raconte que le dieu Quetzalcoatl reviendra un jour avec l'apparence d'un dieu, sous l'apparence d'un dieu blanc et barbu, ce qui va faciliter la tâche des Espagnols. En plus, les Tlaxcaltèques sont régulièrement visés par les razzias opérées par les Aztèques pour fournir leur sacrifice humain, et donc c'est un élément intéressant, évidemment, pour la suite, pour remettre en cause la domination du peuple prédateur dont ils sont les victimes. Cortés négocie toutefois avec Moctezuma, qui formellement veut bien reconnaître d'être vassal du roi d'Espagne, mais qui ne veut pas voir ses intrus arriver jusque dans sa capitale. Ce que refuse Cortés, qui décide de marcher donc sur Tenochtitlan. Alors, les Espagnols vont s'approcher ainsi de la capitale aztèque. Ils vont faire l'ascension au passage du Popocatépetl, qui vient de connaître une puissante éruption. C'est une curiosité tout à fait compréhensible. Puis, en novembre 1519, le 8 novembre, Cortés va entrer à Mexico. Alors là, lui et ses compagnons sont tout à fait fascinés par l'immensité de la ville, par son organisation. La ville qui a été établie dans une lagune avec tout un système de ponts pour permettre la circulation. Certains ont pu parler d'une Venise aztèque, hein. Mais en même temps, c'est un endroit qui peut s'avérer dangereux, car si la troupe ainsi arrivée à l'intérieur de la ville voit les ponts détruits derrière elle, elle risque de se retrouver dans un piège redoutable, et elle a d'ailleurs reçu à ce propos les avertissement des Tlaxcaltèques. Alors, les Espagnols, donc, sont sur place. Ils vont plus ou moins diplomatiquement s'emparer de Moctezuma et puis en faire de fait un otage. Mais ils reçoivent des mauvaises nouvelles depuis la côte, où les fidèles de Velázquez sont de nouveau actifs, où des troupes ont été envoyées par Velázquez, le gouverneur de Cuba, donc, pour ramener à la raison Cortés et ses amis. L'évêque de Burgos, Fonseca, président du Conseil des Indes, veut que la discipline, l'ordre soit rétabli outre-Atlantique. Mais Cortés vient au-devant de ses nouveaux venus. Il va l'emporter assez facilement et va rallier ses troupes pour relancer son aventure
mexicaine. Hein. Il va repartir pour la capitale aztèque où, de fait, Moctezuma est un otage, et il repart cette fois avec 1300 soldats, 96 chevaux, 80 arquebusiers et 80 arbalétriers, donc une troupe notablement renforcée. Le 21 juin 1520, les troupes espagnoles entrent à Mexico, mais les Indiens cette fois attaquent leur cantonnement, la bataille est rude, les ponts sont détruits, les Espagnols sont pris au piège, mais à l'issue de combats furieux, ils vont réussir à emporter le grand temple de la capitale et à brûler les idoles, à brûler les images des dieux aztèques, ce qui sur le plan psychologique va être évidemment très dur pour les autochtones. Hein. En plus, ils veulent mobiliser Moctezuma pour apaiser les insurgés. Et puis, dans ce contexte un petit peu confus, sans qu'on connaisse le détail des événements, Moctezuma est tué et l'Empire aztèque perd ainsi son chef. Mais l'insurrection n'en est pas moins générale. Il faut évacuer la ville, établir une passerelle de fortune. Et c'est la fameuse Noche Triste, la nuit du 10 juillet 1520, au cours de laquelle, en pleine nuit, dans la brume, les Espagnols doivent se replier, la passerelle qu'ils ont établie s'est renversée. Au bout du compte, 870 soldats de Cortés seront tués ou sacrifiés. Les Tlaxcaltèques, ses alliés, vont perdre 1200 tués, toute l'artillerie est perdue et il faut se replier. Tant bien que mal à l'extérieur de Mexico. Mais les Espagnols n'ont pas dit leur dernier mot, ils vont construire des brigantins avec l'idée d'assiéger la ville par la lagune pour éviter de passer par les chaussées qu'il est facile à l'ennemi de couper et d'interdire. Alors, de plus, quelques navires espagnols arrivés à San Juan de Ulloa ont permis de reconstituer l'artillerie qui avait été perdue et en mai 1521, eh bien, le siège de Mexico commence. Il va durer 93 jours. La ville est défendue par Chuauhtémoc, qui est un neveu de Moctezuma. Les prisonniers espagnols sont sacrifiés au vu de leurs camarades, ce qui, évidemment, accroît leur fureur vengeresse. Et puis le grand temple, de nouveau, est pris et incendié, ce qui, une fois de plus, va en quelque sorte casser le moral des défenseurs. Et le 13 août 1521, Mexico tombe entre les mains des Espagnols. Très vite, Cortés va soumettre la Nouvelle-Espagne, qui correspond en gros au Mexique actuel. Il va pousser jusqu'au Guatemala, jusqu'au Honduras, où il va y envoyer certains de ses lieutenants, dont certains d'ailleurs vont se révolter contre lui. Mais en même temps, la situation se normalise en Espagne et il est reconnu comme le représentant du roi d'Espagne sur place. Il peut établir l'ordre au Honduras, revenir à Mexico en juin 1524, puis en 1528, il revient en Espagne. Il rencontre Charles Ier d'Espagne, que nous connaissons davantage sous le nom de Charles Quint, à Tolède, se voit reconnaître en quelque sorte l'action qu'il a conduite. Il est fait marquis de la vallée de Oaxaca, mais Charles Quint installe quand même une audience à Mexico, qui va devenir en 1534 une vice-royauté de Nouvelle-Espagne. Et c'est Antonio de Mendoza qui en reçoit la responsabilité. Cortés, à ce moment-là, étant de fait non pas désavoué, mais mis quelque peu à l'écart. Il va rentrer en Europe, participer au siège d'Alger quelques années plus tard, puis en 1547, il va mourir à Castilleja de la Cuesta, près de Séville, dans cette Andalousie, à partir de laquelle s'est organisée toute l'aventure américaine. Bernal Diaz del Castillo va, en quelque sorte, garantir son immortalité avec le récit qu'il publiera 20 ans plus tard, et en tout cas, Hernán Cortés demeure la figure par excellence du conquistador incarnant l'épopée américaine de l'Espagne.
Alors, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui, chers téléspectateurs, Gaël Delabrosse, que nous avons déjà invité il y a quelque temps dans cette émission. Gaël Delabrosse, qui est journaliste, historienne, directrice de collection aux éditions Salvator, et qui est une grande spécialiste du chemin de Compostelle, qu'elle a parcouru à de nombreuses reprises, auquel elle a consacré de nombreux ouvrages. Et de manière plus générale, c'est une passionnée de l'histoire des pèlerinages, de l'histoire des itinérances spirituelles. Elle a dirigé d'ailleurs à ce sujet une revue qui s'intitulait « Chemin d'étoiles ». Et elle dirige aujourd'hui une collection animée par le même esprit, donc aux éditions Salvator. Alors Gaël Delabrosse, pourquoi vous ai-je invité aujourd'hui ? Parce qu'en matière de pèlerinage de Compostelle, nous sommes dans une année particulière. En effet, c'est une année jubilaire. Qui donc se produit tous les 6, 5, 6 et 11 ans. Ouais. Voilà, donc là, il y a 11 ans qu'il n'y a pas eu d'année jubilaire, donc c'est une année un peu exceptionnelle. Et effectivement, il y a eu beaucoup, beaucoup de pèlerins qui se sont pressés sur le chemin malgré les circonstances estivales. Et alors, à quoi correspond une année jubilaire ? Quelle est la signification de ce moment particulier ? Alors, une année jubilaire, c'est quand le 25 juillet, qui est la fête de Saint-Jacques, Jacques le Majeur, tombe à dimanche. Voilà. D'accord. Et donc, selon le calendrier lunaire, etc., il se produit irrégulièrement. Voilà, donc la prochaine aura lieu dans 6 ans. Dans 6 ans, d'accord. Et en plus, c'est une année jubilaire un petit peu exceptionnelle cette année. Et oui, parce que à cause de la crise sanitaire, cette année jubilaire durera 2 ans. Voilà, ah, ça s'est jamais vu, une année qui dure 2 ans. Donc l'année prochaine sera également jubilaire, même si le 25 juillet de l'année prochaine ne tombe pas, bien sûr, un dimanche. Pour permettre de mobiliser de nouveau les pèlerins qui auraient souhaité effectuer le pèlerinage au cours de l'année 2020, en fait. 2021. Voilà, pardon. C'est ça. Ah oui, 2021. Et donc, effectivement, à cause de la crise sanitaire, il y a eu moins de pèlerins que prévu. On en attendait, je crois, 500 000 à l'arrivée à Compostelle. 500 000 Voilà, parce qu'en fait, les années classiques, il y en a effectivement jusqu'à 300 000 qui arrivent à Compostelle, en fait. Qui arrivent à Compostelle. Ouais, et donc, en année jubilaire, on monte à 500 000. Et en fait, il y en a eu combien dans Alors ce là, contexte on n'a pas encore les chiffres. On ne le sait pas. On le saura à la fin de l'année. Mais 300 000 ou 500 000, ce sont des chiffres énormes, évidemment. Hein, ça en dit long sur le renouveau de cette pratique du pèlerinage en direction de Compostelle. En quelques mots, quelle est l'origine de ce pèlerinage que l'on va chercher au cœur du Haut Moyen Âge ? Alors, le pèlerinage remonte effectivement au 9e siècle. Alors, il faut remonter quand même en quelques mots à Saint-Jacques le Majeur, puisqu'on parle des chemins de Saint-Jacques de Compostelle. Bien sûr, Saint-Jacques n'a pas fait le chemin de Compostelle. Bien sûr, voilà, c'est souvent ce que les pèlerins croient. Saint-Jacques, donc, appelé le Majeur pour le différencier de Saint-Jacques le Mineur, voilà. C'était un apôtre du Christ, c'était le frère de Jean. Voilà, donc le Christ l'a appelé sur les rives, il était en train de pêcher, en lui disant « je ferai de toi des pêcheurs d'hommes ». Et effectivement, il a pêché beaucoup de pèlerins. quand il a été martyrisé donc entre l'an 41 et 44 par Hérode, ses disciples ont mis ses dépouilles dans une barque et cette barque aurait accosté en Galice. Aurait dérivé jusqu'en Galice. Voilà, depuis la Terre Sainte. Depuis la Terre Sainte, voilà. Donc guidée par un ange, par Bien la Providence. Ouais. Et donc ces dépouilles auraient été enterrées à un endroit qui était un cimetière en fait. Et donc le cimetière, en latin, se dit compostum, d'où l'origine du mot Compostelle, Saint-Jacques de Compostelle. Et au début du IXe siècle, l'ermite Pélayo a trouvé des dépouilles qu'il a attribuées à Saint-Jacques. Donc là-dessus, donc Alphonse II, le chaste, a construit une chapelle, ensuite une église, le roi des Asturies, et qui ont donné lieu à cette ville de Saint-Jacques.
Et au développement du pèlerinage au cours des siècles suivants. Voilà, donc au siècle suivant, donc le premier, d'abord donc effectivement en France, le premier pèlerin connu, c'est Godescalque, qui est parti en l'an 950 et 951 du Puy-en-Velay. Alors le Puy Sainte-Marie, et donc il s'est dirigé vers Saint-Jacques-de-Compostelle avec toute sa suite, voilà. Et donc c'est le premier pèlerin non espagnol connu. Et ensuite, le pèlerinage va devenir une grande entreprise, si l'on peut dire, avec le soutien des rois chrétiens locaux. On a parlé du roi des Asturies, mais il y a le roi de Navarre qui va jouer un rôle déterminant aussi. Et c'est au cours, en 11e, 12e siècle, que le pèlerinage va prendre véritablement un essor considérable pour atteindre à son maximum d'extension, je crois, au 13e. Voilà, notamment avec ce fameux recueil de textes qui a fait couler beaucoup d'encre, qui s'appelle le Codex Calixtinus, qui a été attribué à Calixte. Et l'évêque Calixte. Et donc, effectivement, à partir de ce moment-là, ce livre donc, décrivait quatre voies dans le cinquième livre, le Liber Sancti Jacobi, donc, qui partait de Paris, Vézelay, le Puy-en-Velay et Arles. Et on a gardé ce découpage, en fait, de manière pratique pour les pèlerins. Alors qu'en réalité, on nuance un petit peu aujourd'hui ce découpage en montrant qu'il y a eu aussi d'autres itinéraires, alors qu'ils finissaient tous par se rejoindre. Voilà, en fait, c'était des têtes de pont. Par se rejoindre en Espagne, en fait. Voilà. Mais c'est un mouvement général, donc, de la chrétienté occidentale vers Compostelle, alors qu'on avait jusque-là d'autres pèlerinages plus importants, notamment en Terre Sainte, bien sûr, et puis à Rome également. Oui, Rome, Jérusalem et Compostelle étaient les trois pèlerinages majeurs, effectivement, médiévaux. Et alors ce pèlerinage, ça traduit, ça exprime une spiritualité tout à fait particulière à cette Europe médiévale, avec parfois même des réactions un petit peu suspicieuses de l'Église, parce que le pèlerinage, ça peut avoir des relents d'un héritage païen, de traditions plus anciennes. D'ailleurs, je crois qu'en Galice, autour de Compostelle même, il y avait un certain nombre de traditions remontant pratiquement à la période proto-historique, qui montrait que cette région-là avait en quelque sorte une qualité de présence du sacré tout à fait particulière. – Oui, on allait d'ailleurs contempler le soleil qui se levait, donc effectivement il y avait des rites solaires, des rites dédiés à Jupiter, l'autel lui-même qui à Padrone, le pilier en espagnol, Padrone, sur lequel ont été mises les dépouilles de Saint-Jacques, était un hôtel dédié à Jupiter. Voilà. Donc il y a toute un syncrétisme, et puis là aussi, comme souvent, un lieu qui était sacré et qui a été christianisé. – C'est ça. Et alors après le Moyen-Âge, il y a encore une période, je crois, de grand succès du pèlerinage, c'est jusqu'au XVIIe siècle. Il faut rappeler que la façade de la cathédrale actuelle de Compostelle, que l'on peut observer, c'est une façade baroque du XVIIe qui est venue se greffer sur un édifice qui, lui, était de tradition romane à l'origine. Alors, c'est quelques mots d'introduction à propos de Compostelle pour présenter un certain nombre d'ouvrages dont vous vous êtes occupé aux éditions Salvator et qui témoignent de l'intérêt récurrent pour ce pèlerinage qui mobilise, donc, comme vous le disiez tout à l'heure, des centaines de milliers de marcheurs. Et tout d'abord, un ouvrage intitulé « À Compostelle, hommage au pluriel au chemin de Saint-Jacques », c'est un ouvrage dont vous avez dirigé la réalisation, mais qui rassemble des témoignages, et des témoignages de personnalités extrêmement diverses, des écrivains, des hommes politiques, des journalistes, qui expriment justement ce qu'a pu représenter pour eux ce pèlerinage de Compostelle. Retenons quelques signatures parmi d'autres, parmi les gens entre guillemets connus. Patrick Poivre d'Arvor, par exemple, qui est un compatriote breton pour vous. Et oui, tout à fait. et alors qui est allé à Compostelle.
Et il a fini son pèlerinage de Saint-Jacques parce qu'il l'a fait en plusieurs étapes, comme souvent, 7 ou 8. Comme le font certains. Oui. Et donc il l'a fini le jour où il a été remercié, on va dire, de son journal télévisé. Oui. Et donc il l'a écrit dans un livre, d'ailleurs, qui s'appelle « À demain », ce qu'il avait dit en sortant de son dernier journal télévisé. Oui. Et effectivement, il est allé jusqu'au Finistère, au-delà de Saint-Jacques de Compostelle. Et alors, pour un homme de médias célèbre, pour un journaliste connu et reconnu, qu'est-ce que ça peut représenter, cette démarche, ce déplacement vers Compostelle ? Alors, ça a été toute une remise en question, alors pour lui comme pour les autres, hein, parce que pour tous ces témoins, il y a 34 témoins. Il y a 34 contributions dans cet ouvrage. Dans cet ouvrage d'hommage à Compostelle. Tous les témoins ont ça de commun, c'est qu'il y a un avant et un après. Voilà. Et ça, c'est très clair, c'est que il y a un avant, parce qu'on dit que le pèlerinage commence aussi avant de partir. Hein, et donc, il y a un avant, il y a un pendant et il y a un après. Et ça laisse des traces, effectivement. Patrick Poivre d'Arvor, comme beaucoup d'autres, hein, comme alors il y a Alice de Saint-André, Jean-Christophe Ruffin. Oui, dans les noms que j'ai repérés, là, vous avez quelqu'un comme un homme politique, comme Jean-Pierre Raffarin. Jean-Pierre Raffarin, personnage tout à politique fait. Important, voilà. Et qui a fait le pèlerinage de Compostelle aussi. Oui, et d'une manière très brillante, hein, il a montré que même il a redécouvert la messe, hein, parce qu'il l'a fait avec un prêtre. Ils étaient un certain nombre, ils étaient 8 ou 9, et puis donc ça a été aussi une manière de redécouvrir un certain nombre de choses avec lesquelles auxquelles il assistait, mais sans réellement il pensait, comme aussi la Vierge Marie, il raconte que et sa dévotion… – il l'a fait après avoir été Premier ministre. – Alors, oui, non, je crois que c'était concomitant. – C'était fait, concomitant, hein, Il me semble, oui, et donc ça a fait du bruit d'ailleurs quand il est parti. Ah oui, il voulait le faire de manière anonyme, mais voilà, ça n'est pas passé inaperçu dans la presse. – Alors, vous avez aussi des participants qui sont des marcheurs, qui sont dans le profil de l'aventurier. Je pense à Alexandre Poussin, qui était un complice jadis de Sylvain Tesson, avec qui ils ont réalisé ensemble leurs premières aventures. Et alors, il se retrouve lui aussi sur ces chemins de Compostelle. Alors lui, la distance ne doit pas l'effrayer, après avoir sillonné l'Asie centrale, l'Afrique orientale. Il a fait un tronçon sur le chemin de Saint-Jacques. Il a accompagné des personnes donc du Puy-en-Velay à Conques, qui est un peu la cerise sur le gâteau de cette Via Podiensis, va du Puy-en-Velay jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port. Oui, on va en reparler tout à l'heure, de cette route du Puy. Son témoignage est émouvant parce qu'en fait, il avait dit à son père, qui était sur son lit de mort, en fait, qui lui a passé une sorte de témoin, qui lui a dit, voilà, j'ai pas fait le chemin de Saint-Jacques, mais j'aurais beaucoup aimé le faire. Tu vas le faire à ma place. D'accord. Une sorte de pèlerinage par procuration, de cette manière, donc avec un témoignage à l'issue évidemment très, très émouvant. Et puis il y a des historiens, bien sûr, des historiennes, je pense notamment à Adeline Rucoy, grande spécialiste de l'histoire médiévale espagnole, qui est notre meilleure historienne de ces questions aujourd'hui, et qui a accompagné d'ailleurs ensuite des touristes alors sur les chemins de Compostelle. Quel est le regard que peut jeter l'historien de métier sur cette itinérance spirituelle dont des dimensions échappent forcément à son enquête. Alors, étonnamment, elle a fait un texte sur Compostelle, sur la ville de Saint-Jacques de Compostelle, et plus précisément sur la cathédrale. Et son témoignage est vraiment intéressant parce que, en fait, on pense souvent au chemin de Saint-Jacques de Compostelle, mais on parle assez peu du but. Oui. Or, ce chemin n'est pas une randonnée, donc il y a un but. Oui. Et comme au Moyen-Âge, on va vers un symbole de la Jérusalem céleste, on va vers le pèlerinage, c'est une métaphore de la vie, et donc on va vers quelque chose, on va vers un but. C'est pas comme un chemin de randonnée où on peut tourner en rond, on peut faire une boucle, voilà. Et donc elle insiste sur cet aspect et elle montre aussi, parce qu'elle va très souvent à Saint-Jacques de Compostelle, comment la cathédrale, elle s'y sent chez elle. Hein. Et c'est souvent ce que les pèlerins disent, c'est que ce soit sur le chemin ou que ce soit quand on arrive à Compostelle, à Saint-Jacques de Compostelle, eh bien on se sent chez soi, parce qu'il y a une adéquation entre la quête du contemporain
Et la quête du pèlerin, voilà, on est, voilà, donc, c'est vrai qu'on est dans un… – Il y a un rite, il y a une pratique là qui apporte un plus indiscutable à ceux qui s'y adonnent. – Oui, oui, tout à fait, et vous parlez de rite, effectivement, il y a cette fameuse, à la Crouse des Ferraux, avant d'arriver à Saint-Jacques-de-Compostelle, on lance une pierre qu'on a apportée souvent de chez soi et qui symbolise le poids des péchés qu'on a apportés, voilà. On s'en débarrasse avant d'arriver à Saint-Jacques-de-Compostelle. Ensuite, il y a un lieu qui s'appelle Lavacolia, et dans lequel, au Moyen-Âge, on se lavait avant d'arriver, donc des rites de purification. Et ensuite, des rites, donc ça, ce sont les rites de l'approche, et ensuite, il y a les rites de la rencontre dans le sanctuaire, comme dans tout sanctuaire, voilà. Donc, on met sa main, c'est très impressionnant, il y a une main qui a été creusée par des milliers d'autres mains, voilà, sur le trumeau avant d'arriver de la cathédrale. Et donc ensuite, on fait l'abrasso en espagnol, hein, l'abrasso à Saint-Jacques, enfin à cette statue baroque qui illumine toute la cathédrale. Et puis ensuite, le plus important, c'est qu'on descend dans la crypte pour vénérer les dépouilles présumées de l'apôtre. Le tombeau présumé de Saint-Jacques. Hein. Combien de temps mettent les pèlerins alors, ça dépend évidemment du point de départ, mais ceux qui partiraient de Paris et de Tours ensuite, puisque la Via Tourensis, c'était la voie de l'Ouest en quelque sorte. Voilà, Combien de temps on met? 3 mois Non, on peut, 2 mois en général. Hein. 2 mois. Il faut compter grosso modo un mois pour la France, un mois pour le Camino français, si on prend ce chemin en Espagne, parce qu'il y en a d'autres, bien sûr. Oui, parce qu'on peut passer par la côte. On peut passer par la côte également. Le Camino del Norte, ce qu'a fait Jean-Christophe Ruffin, effectivement, qui voulait s'éloigner un peu de la foule. – D'accord, c'est ça. Oui, et puis, de toute manière, il y a des accès différents selon qu'on passe par Roncevaux ou par le col du Somport. – Voilà, oui. Pour rattraper le Camino français à Puente la Reina, c'est au sud-ouest de Pamplune. – Voilà. Hein. Ceux qui partent de Paris, Vézelay et le Puy convergent vers Roncevaux, Saint-Jean-Pied-de-Port et Roncevaux. – Ostabat aussi en amont. – Voilà, et ensuite, donc, ceux qui partent d'Arles passent au col du Somport, qui est aussi un endroit mythique, avec cet hôpital dédié à Sainte-Christine autrefois, et donc c'est aussi un lieu très très mystique. Voilà, on débouche sur la ville aragonaise de Raqqa, et avec à proximité, il faut le signaler, San Juan de la Peña est un sanctuaire de montagnes et de forêts absolument extraordinaire, qui a été une première nécropole royale d'Aragon et qu'il faut recommander à tous ceux qui vont vers cette Espagne-là. C'est vraiment un très haut lieu de l'histoire espagnole, au même titre que la grotte de Covadonga, d'où partit la reconquête dès le 8e siècle. Alors, nous avons évoqué là les hommages au chemin de Saint-Jacques, mais vous avez d'autres ouvrages, toujours aux éditions Salvator, en particulier un qui traite notamment des itinéraires allant de l'Auvergne à Compostelle. Parce que donc nous avons vu que les points de départ classiques, en quelque sorte, on les trouve à Tours, à Vézelay, au Puy, donc dans le Velay, au sud-est de l'Auvergne, et puis Arles, pour les pèlerins venus des pays méditerranéens, hein, de Provence ou d'Italie. Et cette route d'Auvergne, qu'a-t-elle de particulier? Et quelle est la matière, justement, de cet ouvrage qui lui est spécialement consacré? Alors, c'est un ouvrage très différent du premier. Donc, le premier, c'était 34 témoignages, inédits. Hein, voilà, je tiens à le préciser, ce sont toutes ces personnes que vous avez citées ont écrit pour ce texte, pour ce livre, en fait, des témoignages inédits. Les deux livres dont nous allons parler maintenant font partie d'une collection. Vous avez cité, Philippe, la revue que j'avais créée en 1997 qui s'appelait Chemin d'étoiles. Chemin d'étoiles, oui. Voilà, sur le thème de l'itinérance spirituelle et culturelle. Et j'ai tenu donc dans le sillage de cette revue, a créé une collection de livres, de récits, qui s'appelle aussi Chemin d'étoiles. C'est ça, qui ont pris le relais de la revue, qui elle n'existe plus en tant que revue. Voilà, elle n'existe plus en tant que revue. Et les auteurs qui y ont participé, en fait, m'ont souvent proposé des récits de voyages, de voyages spirituels, parce que c'est vraiment la spécificité de cette collection. Voilà.
Après cette petite introduction, donc c'est et au passage, un détail technique, la collection de la revue Chemin d'Étoiles, elle est encore disponible. Oui, tout à fait. On peut encore se la procurer. Voilà, il y a 13 numéros. Numéros. Vous pouvez aller sur le site Chemin, vous tapez Chemin d'Étoiles. Sur le site Chemin d'Étoiles et voilà, on trouve les pistes nécessaires. Exactement, voilà. Et donc, Marché à cœur ouvert de l'Auvergne vers Compostelle de Claire Colette, c'est ce deuxième livre de la collection Chemin d'Étoiles que nous avons publié aux éditions Salvator et qui est d'une écriture remarquable et très sensible parce que Claire Colette, en fait, est une jeune femme qui avait une fibromyalgie, donc une maladie musculaire, et qui, un jour, voilà, je dis un jour parce que souvent, le pèlerin reçoit un appel, on ne sait pas comment, soit c'est une émission de télé, soit c'est… Voilà, et puis donc, elle s'est dit… je vais faire le chemin de Compostelle. Et donc, c'est alors en faisant… – Alors qu'elle était handicapée. – Elle était, enfin, pas handicapée, mais elle avait une grosse douleur musculaire sévère. Avec tous les problèmes psychologiques qui vont avec. Et donc, elle a effectué le chemin de Saint-Jacques et elle raconte dans ce livre comment le fait de faire, de marcher sur ce chemin l'a guérie de sa fibromyalgie. Ah, et donc, elle est revenue Saint-Jacques de Compostelle en étant guérie de sa maladie. Voilà. Et non seulement du point de vue corporel, mais aussi du point de vue spirituel et psychologique. Et donc, ce deuxième livre qu'elle a, parce que donc, c'est dans un premier livre qu'elle raconte son… comment elle a guéri cette maladie. Et dans ce livre, donc, un nouveau voyage sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle, sur une autre route qu'elle a voulu découvrir, et qui est une de ces nombreuses artères qui traversent la France, en dehors de ces quatre chemins dont nous avons parlé, qui s'appelle la Via Arverna, et qui va de Clermont-Ferrand jusqu'à… Là, elle est allée jusqu'à Rocamadour, ça descend un peu plus bas, mais elle est allée jusqu'à Rocamadour pour lier ces deux points très importants, donc Clermont Ferrand, Notre-Dame du Port, et puis Rocamadour, qui était aussi un lieu un culte de la Vierge, pèlerinage avec un culte à la Vierge Noire et à Saint-Amadou. Voilà, on avait découvert une statue de la Vierge qui va faire l'objet d'une grande dévotion au Moyen-Âge, y compris une grande dévotion des rois de France, même Rocamadour. C'est un pèlerinage, c'est intéressant de le signaler, qui a retrouvé toute une vitalité, toute une actualité au cours des dernières années, j'ai cru comprendre. Parce qu'on a eu le phénomène renaissance du pèlerinage de Compostelle, il faut remonter aux années 60 du siècle dernier à peu près, pour voir le phénomène progressivement. Voilà, les années 50, avec la création de la Société des Amis de Saint-Jacques, notamment par René de la Côte-Messelière. Mais là, depuis, ce phénomène pèlerin, on le retrouve avec des destinations nouvelles. Il y a Rocamadour, mais je crois qu'il y a aussi d'autres endroits en France qui sont des objectifs pour des marcheurs qui cherchent autre chose. Une variante de la voie du Puy-en-Velay. Donc, au Moyen-Âge, en fait, où on le voit bien dans le livre du pèlerin, en fait, le Liber Santi Jacobi, les pèlerins ne suivaient pas forcément des routes officielles, comme maintenant, mais aller vénérer des reliques, ça et au passage, et bien sûr. Et donc déjà, ils passaient bien sûr par Rocamadour. Pour faire des crochets. Un petit détour, Oui, ben je crois que sur la route qui passait proche de l'Atlantique, on faisait un crochet par Sainte aussi, pour aller honorer des reliques de je ne sais plus quel saint. C'était quelque chose qui était courant à l'époque. Voilà, et ça le redevient, en fait. Ouais. On retrouve ce culte des reliques. Grâce à ces chemins de pèlerinage. Et donc, ce livre de Claire Colette est très émouvant parce qu'effectivement, elle montre comment sa guérison a été aussi spirituelle. Et donc, c'est la raison pour laquelle elle est partie d'Auvergne plein automne, avec une météo quand même assez… pas évidente. Voilà, et l'Auvergne avec des dénivelés assez importants. Et donc, c'est le fait de se confronter à la fois au relief et puis à cette météo. On sait que je crois que c'est Saint-Exupéry qui dit il n'y a pas de fruits s'il n'y a pas d'écorce. Et voilà, c'est en grattant cette écorce de la terre avec ses pieds, avec avec son corps entier, que, effectivement, Claire Colette a renoué avec une certaine spiritualité et puis a retrouvé le sens de la vie. Et alors, là, vous évoquez, entre guillemets, un miracle, si l'on peut dire, à savoir cette guérison qui intervient pour elle sur le chemin de Compostelle. Est-ce qu'on a d'autres cas comparables
dans le très très nombreux du Pénard, de très nombreux cas. Oui, si bien que le journaliste Luc Adrian a forgé le terme de caminothérapie. Ah oui. Voilà, parce qu'il y a beaucoup beaucoup de pèlerins qui prennent la route en étant malades, de tout point de vue. Hein, voilà, ça peut être une sclérose en plaques, ça peut être une sclérose en plaques. Alors qu'ils guérissent pas, c'est pas toujours spectaculaire, c'est pas forcément une guérison où mais effectivement, ils vivent ensuite avec très différemment leur maladie. D'accord. Hein, voilà. D'accord, un ami, Nicolas Droglaude, qui est unijambiste et qui fait le pèlerinage de Compostelle tous les ans. Voilà, avec il est unijambiste et il fait le pèlerinage de Compostelle. Voilà, il a bien sûr une prothèse. Une jambe artificielle, Voilà, il marche avec des béquilles. Et il fait le pèlerinage de Compostelle exceptionnel. Il fait pas tout le parcours à pied. Si. Et tous les ans. Voilà, et tous les ans Voilà, oui. En effet, oui, ça c'est un phénomène quand même tout à fait extraordinaire. Alors il y a un dernier livre dont il faudrait dire quelques mots parce que nous n'avons plus beaucoup de temps, c'est le guide spirituel de la voie du Puy-en-Velay. Voilà. Parce que le Puy-en-Velay, c'est un point évidemment très important dans l'histoire du pèlerinage. Oui, c'est un livre que nous avons fait, enfin que j'ai dirigé et j'ai rassemblé donc plus de 120 auteurs pour faire ce guide. Ah oui. C'est un guide qu'on peut lire bien sûr sur la voie du Puy en marchant, mais aussi avant, après, ou même ceux qui veulent vivre la spiritualité du pèlerinage. Ils peuvent se diviser en étapes. Voilà, il y a à la fois des laïcs, des religieux, des accueillants, des hospitaliers qui accueillent les pèlerins, des membres d'associations et puis bien sûr des pèlerins. Et toutes ces personnes donc, ce sont d'une même voie. Enfin, c'est vraiment un livre très harmonieux et très profond aussi, hein, qui nous permet de vivre avec des témoignages, avec des méditations. Hein. Donc toutes les communautés, ou beaucoup de prêtres qui ont fait le chemin, et toutes les communautés qui sont sur la voie du Puy-en-Velay ont accepté de nous livrer spécialement pour ce guide, non seulement des témoignages, mais aussi des méditations, des prières. Voilà, c'est un livre très complet que nous sommes heureux d'avoir sorti cet été. Voilà. Merci Gaëlle Delabrosse pour tous ces éclairages. Donc je rappelle que vous pouvez vous procurer tous ces ouvrages en tapant donc Chemin d'étoiles. Alors non, les éditions Salvateur. Hein. Chemin d'étoiles, c'est uniquement pour la revue. Les éditions Salvateur et dans toutes les librairies bien sûr. Voilà, je cite juste le premier ouvrage de la collection Chemin d'étoiles, Sept grâces sur le chemin de Compostelle de Marie-Ève Humery. Tout à fait remarquable également. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous.